Quand on parle de montée de la Chine, il n'y a pas de meilleur exemple que celui du train à grande vitesse. Il avance à une vitesse phénoménale. La Chine a le plus grand et le plus rapide réseau ferré du monde. Grâce en partie aux chercheurs comme Guo Dihong du Centre de recherche en mécanique du rail de Beijing. Ici, les employés étudient les façons de faire avancer les trains de manière plus aérodynamique. Leurs travaux ont commencé en 2003 avec les technologies japonaises. Depuis, ils ont augmenté la vitesse des trains de 100 km/h. L'espoir est de voir un jour des trains aller plus vite que des avions. Nos trains sont meilleurs que ceux des autres pays. Ils sont plus puissants, plus silencieux, plus rapides et avec moins de friction. C'est le résultat de notre innovation. Les laboratoires du pays se concentrent sur les manières de dépasser les limites actuelles. Ici, à l'université Jiaotong du sud-ouest à Chengdu, ils ont une bien grosse machine. C'est un simulateur pour former les ingénieurs. Et je vais aller y faire un tour. Alors on pousse et lentement, allez, ok. Ok, c'est parti. Il simule un voyage entre Beijing et Tianjin et permet de tester toutes sortes de conditions. Ils envoient des trucs, genre des tempêtes. C'est assez cool. J'actionne l'essuie-glace et hop, les lumières. En quelques années, la Chine a construit de toutes nouvelles industries comme les voitures électriques, dans les airs et dans l'espace. En juin, le pays a montré son premier avion de passagers entièrement construit en Chine. Et depuis 2003, la Chine a envoyé un homme dans l'espace, fait atterrir un rover sur la Lune et commencé à travailler à une station spatiale. Tout ceci a été rendu possible par l'aptitude de la Chine à déverser des milliards de dollars dans cette cause. La Chine peut réunir toutes les ressources et elle a le pouvoir de faire de grandes choses. C'est ce qu'a décidé le système chinois et la direction du Parti communiste chinois. Cela nous fournit une plateforme permettant de montrer nos réalisations et nos rêves. Les choses n'ont pourtant pas toujours été aussi faciles. Les critiques disent que la Chine dépend des technologies occidentales et des accidents ou des erreurs se sont produits. Pourtant, la Chine continue d'aller de l'avant. Pour Guo, c'est une question de fierté envers son pays et son travail. Tous les jours, je passe à côté d'un viaduc en me rendant au labo. Je peux voir les trains à grande vitesse passer à côté de moi. Je dis souvent à mon enfant, je fais partie de ceux qui ont inventé ce train chinois à grande vitesse. Mon enfant est heureux et je suis fier aussi. Je pense que mon travail est important. C'est un mouvement qui change la Chine et le monde à grande vitesse.